C'est un jeu où tout est tellement fucking stupide que même si tu joues un personnage qui est stupidement le fun à jouer, il y a tout le temps des trucs stupides qui vont t'arriver dans la face qui vont être stupidement chiants. Always. Parce que oui, Fox McCloud, il est fucking chiant, mais en tant que chic, tu sais, genre, je fais juste, je vais wave dash jab, c'est safe. Si, si, rest, je suis mort. Mm-hmm. Je suis mort parce que j'ai jab! Puis ça, n'importe quel bon personnage du jeu peut faire des trucs frustrants. Ouais. N'importe lequel. Donc, Julexi, qui va potentiellement nous montrer sa dominance, peut-être que qu'importe Brew quelque chose de nouveau ce soir. Wouhou! Pour recovery, though. C'était dicey as fuck. Oh! Oh oui, ça change sur une spike. Oh non! Il en manquait un troisième. Oh mon dieu! Eh non, mais c'était ça, difficile c'est... de voir que Falcon allait aller sur le stage là-dessus. Mm-hmm, c'était rough. Mm-hmm. Oh ouais, c'était un bon recovery de la part de Julexi aussi. Là. C'est un excellent DI sur le champ juste pour pouvoir avoir accès à ce recovery-là déjà. Ouais non, en vrai, s'il aurait pensé en plus à SDI up le Shine Spike, ce qui est relativement impossible, parce que how the fuck que t'expectes Shine Spike d'être là. Mm-hmm. Oh mon dieu que c'était pas un beau DI sur le nid ça. Non. Oh, oh. Double up air should be stuck. It is stuck. Julexi clean avec le punishment. Ah ouais, direct là, il perd pas de temps avec ça. Julexi, le concierge, prend la stock, ramasse, prend la mop, ramasse les stocks à terre, man. Oh! Qu'importe, qui prend le gamble de Shine en une joie en dessous d'un nid, pis ça marche. Oh, back air. Dead? Ah oui. Simple as that. Alright, ok. Non, c'est élémentaire. Oh, tech chase? Oh, il a pas trouvé le back air. Il a manqué sur le cancel, ça fuck up son mouvement un peu. Boom. Take in place? Oh, oh mon dieu, c'était quoi cette réaction? C'est un pair là, un hit, though? Ah non, il a un peu mispacé pour le grab. Oh mon dieu, drop shield shine, ça punit le gentleman en point blank. Qui l'eût cru? Mm-hmm. Je sais pas si c'est le produit du laboratoire de qu'importe ou si c'est juste une inspiration du moment. Oh. Nair. Oh. Could be an Edgard. Backer qui avait du mauvais bord, damn. Weakness. Un petit follow-up avec Backer. Simple as that. There's another stock gone. 110. Un up smash, le vrai kill, un strong back air qui envoie fort avec un mauvais DI. Probablement. Sauf que c'est ça, on a des tech chase de même, là, puis 10% sur fight, ça peut monter vite. Bold trade, c'est dead. There's the stop. Alors, commence. Fox aussi peut gagner genre du 0 to death en masse là, sur Falcon. Là. Si Fox est en vie, Fox peut gagner. Down throw, drop zone knee, there it is! Première game à Julexi qui a décidé, tu sais quoi, j'ai deux stocks, je vais t'en donner une, juste pour prendre la game. Je vais être charitable comme ça. Bah oui. Charitable Lexi. Oh. Beau bon petit 20%. Drill, shine grab. Je pense qu'il est mieux par contre, c'est de continuer à shine, là, quand ça fait la shine. Oh! Ronnie. Ben oui, puis il y a eu le temps de whiff knee sur no tech, puis quand même punir. Absolutely crazy. Oh, ça commence. Oh, ça c'est big. Y a pas pu rester le Shine Spike. Ouais. Mais je le comprends parce que si Julexi décide, je vais nier Fox par la stock. Ouais, il peut nier, il peut up air. Il y a tellement d'options qu'effectivement. Oh! Oh, qu'importe chercher le back air. Up air, dead. Whack ass fucking hitbox qui envoie reverse puis ça get le terrible DI de qu'importe. Yes. C'est difficile des fois de DI. D'avoir le DI parfait, c'est littéralement impossible de toujours l'avoir. Ouais, non, c'est ça. Des fois, tu vas juste te faire hit d'une façon que tu t'y attendais pas. Ça te reverse hit, ça te pogne une hitbox différente que celle-là que tu passais. Là. Melee, dude, melee, c'est whack, là. Comment ce chaîne-là n'a pas hit? Je suis un peu confus. J'étais aussi confus sur le up tilt de Julexi, mais bon, il y a certaines choses que je pense que mais, on doit laisser en fait. Je suis en train de dire que melee, c'est whack en plus. Genre, ça m'a montré exactement au moment immédiat c'est que c'était whack. C'est indeed très whack. Drill, shine, oui, oh. On respecte le ledge, bien joué qu'importe. Oh mon dieu! Oh non, c'est un SD, c'est un SD! SD Lexi! Just straight dead. Il a appuyé sur par en bas sur l'analogue par accident, puis le jeu l'a puni. Ouais, des petites erreurs de même, ça marche. Good pour aller au ledge. C'est pas avec un lead, mais en ce moment, je l'essaye, il s'en fout. Va juste prendre le center stage, faire des back air, attendre juste le temps qu'il y en a un qui hit. Oh! Ouais. Run up smash, doesn't give a fuck. Sony, there it is. Ouais, c'est normal que Julexi joue conservateur quand il y a une stock down, il veut pas faire des blunders. Mais.
quand même très peu d'ego dans le jeu de Julexi quand tu y penses. Que quand il est down, il se met à jouer conservateur, peu importe c'est qui son adversaire. Là. Mm-hmm. Up air. Oh! Moi je pensais qu'il y a... Oh! Left tilt qui est un peu trop tôt. Indeed. Oh! Ah! Oh! Oh! What an angle on the nair. Ça knee, c'est knee. Up air knee. Solide. Le DI comme ça sur le up air, ça lui a donné le knee complètement free là. Yes. Oh, ok, je sens qu'il est un petit peu trop late. Follow up. Up throw. Ah, il attend. Shield poke. C'est dur de reaction tech chase avec cette distance là entre Fox et la top platform. Ouais, ouais, ouais. La top platform de Fountain rend ça tough là. Oh, oh. Jab. Ok, F throw. No edge guard again. Oh oh! Oh, bon recovery, Shine Spike! Le Shorten qui permet d'aller pogner le ledge plus rapidement. Oh, puis Julexi. That could be big. Ok, no tech chase. Julexi avec les stomps en dessous. Ah, il est allé pour le. Hop, oh, ok, il voulait ledge cancel, il a manqué. Julexi! Big damage. Non, t'avais besoin de ce regrab là. Julexi okay. Freed en ce moment. Oh mon dieu, non! Oh oui. Oh non! Oh my god. Faut qu'il reponnaisse under stage. Ledge dash, oh. Sloppy, but it works. Back air gets the game. Il n'était pas assez de pressure. Donc, n'importe, avait ça dans la poche. Là. Il a manqué deux follow-up après un up throw. Là. Ouais, c'est nice. Un peu late sur le up tilt, un up air throw late aussi. Yep. Ça va sur Yoshi's. J'aime l'idée. Il veut. Parce qu'il veut. Il veut kill Falcon off the top. Puis lui, c'est rare qu'il va mourir off the top, anyways. Fait que. Mais c'est vrai que ça veut dire que Nii va le tuer vraiment plus tôt, ouais, là, c'est si ça, tu manges un Nii random en neutral. Généralement, je veux dire, Nii tue quand même de base tôt, fait que... Ouais, non, habituellement tu meurs quand tu fais Nii, là, peu importe c'est quoi ton pourcentage, fait que... Ça peut être worth, dépendant de la situation, mais même à ça, je sais pas si je suis d'accord. Oh, nice shield drop. Toi, les pourcentages sur le Falcon peuvent ne pas vraiment matter si tu gets des bons edgeguards, là. Ouais. C'est en ce moment qu'importe, t'en gets absolument none. Ce qui est surprenant d'ailleurs. C'est tough contre Julexi. Non, mais c'est parce que ça a l'air d'homme là, mais Julexi a toujours genre, oh, what a fucking drift to adapt. Randall Homie? Non, mais. Couvert pas. Par Julexi. C'est ça, genre, quand Julexi recover, il est tellement sneaky avec des slight drifts, avec genre une slight différence de hauteur quand il fait son hobby. Tu sais, il fait toujours des slight adjustments. Oh, oh my god, le no impact land sur. C'est-tu un. Oh, le smash 64 edge guard! Nice. Oh. Oh, big. Wizzy? We got the punish, oh, no. Guys! Yes! Yes! Oh! Shine out of shield. Pas la meilleure exécution, mais oh, ça l'a fait ce qu'il fallait. Le no-tech sur le. Après le backer, c'était rough. Yeah, non, tu peux pas te permettre de no-tech contre Julexi, mm-hmm. Parce qu'il va le faire anyways, puis il va punir le tech après, même. Non, genre, c'est ça. C'est free, là. Genre, tu donnes même pas la chance de lui faire un execution check. Mm-hmm. Pourquoi backer? Oh, what a shine. Wall tech! Merci, c'est un insane wall tech, though. Absolutely insane. Julexi est prêt à tout, man. Ouais, cet man, homme c'est est fou. Quand même, hein. Il a perdu la moustache, mais pas le gameplay. C'est ça qui est différent à propos de sa face. T'as remarqué? Aussi. Mais je savais qu'il y avait de quoi, genre, mais j'étais genre... Couldn't place it for some reason. Fait du sens. Il a l'air d'un petit enfant. Yeah. Ben, en vrai, il est plus jeune que je pensais. Je doxerai pas son âge en stream, mais il est plus jeune que je pensais. Oh, ça le reverse! Hop, est-ce smash? Que ça kill pas? Oh mon dieu. Mais, oh mon il dieu. Il va être allé pour le gusto. Ouais, il voulait greet Lexi of sa dominance, là. Oh. Oh mon dieu, il y a de la pressure. Mange le gentleman par contre. Ça pourrait être costly si Fox est capable de get a punish. En ce moment, qu'importe, il veut jouer safe, il veut check ouais, away 10%. Ouais, il veut juste 4%, exactement, comme tu fais comme ça. Oh, what a re-grab! Up air? Another one? Il y aura pas l'autre, mais l'attaque, c'est là. L'attaque, c'est air. Là. Ouais, non, c'est ça, là. Beau short in. Oh, c'est go unpunished. Oh, what an up air. Should lead to an edge guard. Oh, il fallait pas qu'il drop le ledge. Il c'est pas greedy. Infaillible. Oh my god, Randall encore. Randall qui fait fuck. Up throw. Backer. Non, non, late. Il a été oh safe. Oh mon dieu. C'est correct. Okay, il vit sur l'attaque. Randall homie qui pourrait l'aider. Non, il en avait pas besoin. Après, ça va kill. Oh 121%. Mon dieu, ça c'est 121%, terrifiant. C'est ce qu'il veut. Mais là, c'est là que ça rend nerveux. Oh, il est encore alive. Ah, backer. And there it is. The Julexi Slayer qui prend une game. 2-1. Est-ce qu'on va actually assist à un Slay?
Non, parce que là, on s'en va sur Double Counterpeed de Jolette. Il va quoi à Dreamland? Pokémon! Hein? Techniquement, c'est un good pick pour Falcon. Parce qu'il n'y a pas de top plateforme pour que Fox puisse s'en aller. Il y a beaucoup d'espace pour bouger. Les plateformes sont à une excellente hauteur pour qu'il puisse follow-up avec des aerials. C'est vrai que contre un joueur contre qu'importe, il met pas genre excessivement beaucoup de pressure avec la vitesse de son character. T'sais, il fait plus des moves bien placés que beaucoup de moves pour mettre beaucoup de pressure. I walk! He was walking! Il manquait juste le down smash puis il l'avait. Oh, le reverse knee! C'est un crise d'avoir des 1 pour qu'importe, ça le bait à aller trop fort. Ça c'est des miracles. C'est anyway, là. Ça c'est des. Ça allait dans un Death Guard pareil. Yes, des miracles de DI et de SDI. D'ailleurs, fun fact. Si tu veux survivre au moulin de Falcon ou moulinet, s'il en fait plusieurs d'affilée, la meilleure chose que tu peux faire, c'est SDI in avec le C-Stick, puis SDI up. Tu ASDI in, SDI up. Puis ce que ça fait, c'est que ça t'envoie tellement dans un angle étrange que s'il a fait son premier up air en dashant vers toi, le deuxième, s'il veut le faire, il y a des bonnes chances qu'il te reverse et qu'il te ramène on stage. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une super bonne technique à employer. Oh mon dieu. Fait genre, tu DI down le premier le down throw. What a tech chase. Puis après ça, tu DI up in. Oh! Oh les stuns qui sortent. Stomp. Un autre. Qu'est-ce que grab? Up throw. Yes, up throw pour faire le check. Si tu DI pas, c'est ni. Back air. Oh! Ok. Up throw, soft back air, up smash, what a confirm! Oh! Oh le nid! Le nid! S'en fout, genre, il vient de se faire genre super beau combo, pis ben il est en descendu de la plateforme de respawn, pis il a fait genou. Yes. Le C-stick par en avant. Down throw, down throw. Oh my god, si arrête ça, j'arrête. Ça a été capoté. Capoté. Oh! Mais il fait juste des nerfs, mais il s'en fout. Il a tellement de pressure. Oh. Il fait tellement des nerfs. Je comprends qu'il fait juste des nerfs, mais. Oh, nice slide under, though. T'as-tu vu le SDI in sur ce back air là, par contre? Oui. Damn! Still living again, exactement le drift. Shine Spike, down smash. Smash 64 Edge Guard. Donc, la stock situation pour ce qui pourrait être la winner's side stock de qu'importe. Oh! Down throw, c'est parti. Big. Wave dash in. Beau tech chase. Keeps it going. Oh non, no dashback. On a summon le Wizrobe pour... Okay, oh, y'a-tu CC, ce jab là? Oh my god, y'a CC le fucking... Oh! Up air, too late! My god, il continue! Celui-là, il va y aller... Oh non, c'est pas un knee, ça. Il a gagné le read, puis il a fait de la mauvaise move. Tellement lourd. Oh my god, il va juste y runner dessus, up air. Il y a tellement de pression. Moi, je trouve ça ominous, en vrai, parce que même si c'était une belle game, un beau set de Julexi, on a le Zulexi.